Bonjour tout le monde, you are now listening to French in 5 Minutes, short stories in slow French for beginners and intermediate learners. If you want to get the most out of each episode, don't forget that you can download the transcript for free on my website www.frenchin5minutes.com With that being said, let's get started. Bonjour tout le monde! In today's episode, I'm going to explain you how to talk about your family in French. So, as usual, we are going to analyze a little story that I created for the purpose of this episode. And then we are going to review it together and analyze 16 key phrases that you can use to talk about your family in French. But before we start, do not forget that you can get the transcript of each one of episode of this podcast. You can get the transcript at 3w 5 minutes You just need to go there and download the transcript for free. You will receive every transcript that I've published so far, so make sure you have it if you want to get the most out of each episode of French in 5 minutes. So, with that being said, let's get started. C'est parti Je vis avec toute ma famille dans une petite maison à Chartres, au sud-ouest de Paris. Paris. Ma famille vit dans cette grande maison depuis des générations. Mes arrière-grands-parents l'avaient faite construire juste après la Première Guerre mondiale. Mes grands-parents y ont vécu toute leur vie, après l'avoir confiée à leur mort à ma mère. Depuis elle s'est mariée avec mon père et nous y vivons tous les cinq. Je vis avec mon père Jérôme. Il a cinquante-quatre ans et il a pris sa retraite cette année. Ma mère, Géraldine, aura 60 ans cette année. Mon frère aîné, Valentin, a presque vingt-deux ans. Maintenant, et il va bientôt quitter le domicile familial pour aller vivre avec sa chérie. Je suis né juste après lui. J'ai 21 ans. Ma petite sœur cadette est la plus jeune de la famille. Elle a 14 ans. J'ai un oncle et une tante du côté de mon père. Ma mère, elle, n'a pas de frères et sœurs. Elle est fille unique. J'ai un cousin nommé James. Il a 12 ans et une cousine aussi. Elle s'appelle Julie et elle a 15 ans. Oh, et je ne vous ai pas parlé de mon père. Petit-neveu. Il s'appelle Charlie. C'est le fils de mon grand frère. Il a à peine trois mois. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma jolie petite famille. So let's analyze this little story. So the first phrase that I highlighted is a phrase. ma famille which means my family in english my family ma famille ma famille mes arrière-grands-parents my great-grandparents my great-grandparents mes arrière arrière-grands-parents mes grands-parents my grandparents Mes grands-parents. And you also have mon père, mon père, my father, mon père, my father. Ma mère, ma mère, my mother, mom, mother, ma mère. Mon frère aîné, mon frère aîné, my oldest brother, mon frère aîné. Le domicile familial. It simply means the house of the family, the house where everyone is gathered. Le domicile familial. Le domicile familial. Oh, I said house, but it could could be a flat or an apartment or anything. Ma petite sœur cadette. Petite sœur cadette. My youngest. sister, my youngest sister, petite sœur cadette, un oncle, un oncle, j'ai un oncle, uncle, I have an uncle, uncle, une tante, une tante, 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 oncle and aunt. so you you have also frère et sœur, frère et sœur. Brothers and sisters. For instance, Est-ce que tu as des frères et sœurs? Do you have brothers and sisters? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Frères et sœurs. Brothers and sisters. And if you have no brother, brothers and sisters, if you have no frères et sœurs, it means that you are an only child. Only child. And how do you say only child in French? You say fils unique, fils unique. You say fils unique if you're a boy, but if you're a girl, you say fille, fille unique. Fils unique or fille unique. No, I have no siblings, I have no siblings, so I'm an only child. Non, je n'ai ni frère ni sœur, alors je suis fils unique. J'ai un cousin. I have a cousin. J'ai un cousin. And I also have a nephew, a nephew. J'ai un petit neveu. J'ai un petit neveu. Grand frère is oldest brother. Grand frère. L'épisode d'aujourd'hui est à présent terminé. I hope you've enjoyed it. If you want to support me, you can subscribe to my YouTube channel French in Five Minutes, or you can simply give me a review wherever you are listening to that podcast. Wherever it is, Spotify, Apple Podcast, Stitcher, or whatever. If you want more podcasts like this one, you can keep listening to mine. They are everywhere on the internet and on YouTube. En attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Salut, au revoir, bye bye.